Bonjour et bienvenue sur la chaîne secondaire, c'est Alex et aujourd'hui nous allons essayer ensemble l'extension de Far Cry 6, à savoir celle où nous allons contrôler le grand méchant Vaas, le méchant de Far Cry Primal. Je rigole, c'est Far Cry 3 bien sûr. On est parti, on est sur PC, j'ai juste lancé avant le jeu et le souci c'est que vous n'allez pas avoir la cinématique d'intro, c'est qu'en fait j'ai le son de sa voix à Vaas qui est super mal réglé, je l'entends pas, alors que tous les autres personnages qui me parlent je les entends super bien. Et on est sur PC, je connais pas trop exactement. Moi j'avais vu les premiers trailers des extensions lors des premiers trailers. Oui, j'ai dit la même chose, non? Et on va incarner les méchants des anciens jeux. Et la première cinématique, bah, que vous ne verrez pas malheureusement, parce que je sais pas comment je recommence depuis le début l'extension, on voit Vaas qui se fait poignarder par le héros du 3. Et il y a Citra qui nous parle, donc Citra c'était la déesse de mes souvenirs. Et il va falloir que je récupère les... Ah, je crois qu'il vient de me spoiler. Dès que je meurs, je vais réapparaître là, c'est ça? En gros, on commence. Il fallait que j'aille dans le miroir voir mon super reflet. J'ai l'air assez mal en point. Et depuis le miroir, mais là, je vous montre juste ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Vous recevez des seringues de soins. Donc, c'est le premier atout que j'ai équipé. On arrive dans un endroit avec plein de gens morts. Donc, ça, c'est vachement bien. Et ici, j'ai récupéré mon premier pistolet. Je l'ai plus? Bah, pourquoi j'ai plus mon. Ah, faut que je le rachète. Ah, et ça, par contre, ça va pas sauvegarder. Et là, j'ai mon premier pistolet. Et maintenant, j'en sais pas plus. Voilà, j'espère que vous allez bien, bienvenue, j'ai hâte de voir, voilà, là il y a Citra, et des gens morts. Maintenant je sais pas plus, il faut que je récupère des morceaux de la lame du dragon d'argent. Et voilà, maintenant que Ubisoft me surprenne, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Comment ça se passe? Il y a un truc là-haut, est-ce que je peux lire? Mais est-ce qu'on a envie, on a envie de lire ou pas? Oh punaise, la tour des sauveurs, bah je vous laisserai mettre pause, moi je mettrai pause, je lirai ça au montage. C'est pas la voix du mec... Attends, il y a des requins qui volent. C'est pas la voix du mec dans Walking Dead, je me rappelle plus l'acteur. Bon, faut que j'aille où? Faut que je trouve, faut que je récupère des lames. Il y a des écrans de télé partout, il y a des corps morts qui flottent aussi. Et c'était bizarre, ouais, de voir le héros du 3 avec un regard... un regard de tueur, parce qu'il nous, quand il nous poignardait. Ouais. Munitions, pistolets, crédit, ouais, alors comment ça marche? Crédit, cumuler des crédits en éliminant des ennemis, en ouvrant des coffres et en terminant des défis. Dépenser les crédits dans l'armurerie pour obtenir des armes et de l'équipement et dans le miroir pour obtenir des attributs. Ah, non. Ah. C'est comme de l'argent et je peux l'utiliser pour faire ce que je veux. Je vois, un peu comme les hommes politiques. Oh, 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 très rigolo Vaas. Mais c'est cool de l'incarner en vrai, je l'aimais bien ce personnage. C'est dommage que son combat, je crois qu'il était un peu moisi. Mais ouais, c'est un peu le souci d'Ubisoft à chaque fois, c'est que on a des grands méchants. Ils sont badass, ils sont là, ils sont... Ouais, c'est les méchants et tout, mais comme dans Far Cry 6, on les voit jamais, quoi. Merde, je sais pas ce que j'ai pris, mais ça devait être de la bonne. Ah bah, je me souviens plus de rien. Bon, bah, je crois que je vais aller par là. C'est des méchants, ils sont rouges. Qu'est-ce que j'ai comme accessoire? Pour le moment, j'ai rien. Je crois pas qu'ils veuillent mon autographe. Tu penses? Salut. Ah, vous êtes bizarre. Oh ouais, j'ai plus la... Mais ma sensi, elle a changé ou quoi? Et là, je récupère des trucs, c'est ça? Ouais, oh, attendez, c'est... C'est spécial. Pour tuer. Défi de l'armurerie. Terminer les défis de l'armurerie pour déverrouiller de nouvelles armes et leurs étuis. Ma tête, elle cache pas des trucs assez un peu. Ouais, une fois l'arme tenue, son étui est déverrouillé de façon permanente dans votre armurerie. Lorsque vous mourrez, dépensez les crédits ou achetez des armes à partir des étuis d'armes déverrouillées. Dépenser des crédits pour racheter. Ah ouais, en fait, dès que je meurs, je perds tout ce que j'ai sur moi, quoi. Je redeviens pauvre. Oh ouais. Ça peut me faire sortir d'ici? Ouais. Carrément. Affronte ceux à qui t'as fait du tort. Ouais, attends. Je vois des trucs. C'est qui lui? Oh please. Comment je fais du corps à corps? Oh attends, je vais déjà crever. Mais qui c'est? Mais c'est moi ou Ubisoft dit... Oh putain, je vais déjà mourir. Ils savent pas garder ma sensibilité que j'avais dans le Far Cry 6 Ou alors c'est moi qui... Ouais, j'ai pas rejoué plus longtemps, j'avoue. Mais ça va être compliqué en vrai. Ils sont vraiment violents. Ils me lancent des grenades et tout. J'espère que ça sera fluide pour vous. J'espère aussi que vous allez bien.
y a un chien. Oh non, il y a des... What? Mais attends, mais je me fais... Je viens de lancer le jeu, hein, pour information. Hein. Vous pouvez être gentil avec moi. Faut que je diminue mon volume, j'entends que dalle. Allô? Ah non, mais là, j'ai plus de son. Attends, c'est soit c'est trop fort, soit j'entends rien. Mais qu'est-ce qui... Ils ont pris quoi ce matin? Et prenez votre petit déjeuner. Ah d'ailleurs, j'ai mon café à boire. Je peux m'allonger ou pas? Oh, oh c'est chaud, je vais crever, moi. Allez! Non! C'est bon, je peux me re-soigner. Wow. Si ça va, j'ai encore des balles. Attendez, faut que je m'entraîne à viser bien. Ça va être chaud à viser bien. Mais je suis dessus, non? Oh là là! Quel est ce calvaire que je suis en train de vivre? Et là, j'ai pas une autre arme. Là, normalement, je la débloque, c'est ça? Il faut que j'aille là et récupère votre arme. Wow. Et là, j'ai récupéré un nouvel étui et je vais pouvoir... Beau matos, pistolet automatique. Oh, trop bien. Ouais, c'est bizarre que mon maniement ne soit pas du tout le même. Attendez, il y a un truc là, il y a un cœur. Non, c'est encore des... Augmente temporairement la vitesse de rechargement. Vendre, équiper. Très bien. Et là, ça se fait. Oh là là, maintenant j'ai des pouvoirs. Les pouvoirs sont des bonus passifs qui améliorent vos capacités. Vous perdez tous vos pouvoirs lorsque vous mourrez. Ah mince, faut pas que je meure. Ils peuvent être trouvés dans des coffres ou sur les corps ennemis vaincus. Ouais, mais ils ont dit que c'était temporaire. Les pouvoirs peuvent être équipés ou échangés contre des. Ok, très bien. Voir les pouvoirs équipés. Ok. Ouais, augmente temporairement la vitesse de rechargement après une glissade. Très bien. Ok, bon, ça c'est fait. Et là, normalement, j'ai un étui. Voilà, là, j'ai un... Non, c'est pas ça. Comment ça se passe? Est-ce que j'ai la map? J'ai la map, j'ai fait un truc ici. En fait, je suis livré à moi-même. Journal. Parce que là, je suis en train de la suivre, la quête. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à se promener. Et on va voir, c'est un monde ouvert, en gros. Très bien. Le mieux, je pense, c'est de suivre les traces de sang et oh, des requins qui volent. Je sais pas ce qu'il a pris, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais c'est pas fou. Ah, mais c'est ce qui est le plus étrange, c'est que je comprends pas, c'est quoi cette sensibilité qui a rien à voir avec... Non, c'est pas dans le gameplay. Qui a rien à voir avec... avec le jeu de base, quoi. C'est bizarre. Enfin, je me rappelle pas que c'était aussi sensible mon maniement. Ouais, là, il y a l'air d'avoir un truc vraiment suspect. Est-ce que je peux me les faire au corps à corps? Chut. Il y a un truc ici à faire. Attends, mais je suis en train de lire. Les épreuves sont des défis plus difficiles que la moyenne. Ils offrent de généreuses récompenses. Quoi? Vous obtiendrez le pouvoir toujours debout qui vous évitera de mourir. Ok. Un truc plus difficile. Je sais pas si c'est une bonne idée. Coucou! Coucou! Je peux pas les tuer au corps à corps, on est d'accord, et j'ai rien sur moi. Ça va être une galère. Attendez, faut que j'essaye de m'entraîner à viser. Vas-y, relève-toi. Pouf! Ah, ça sera peut-être un peu mieux, là. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Mais là, si je le prends, ça va activer plein de méchants, non? Oh, ouais, je me souviens de ce putain de test, ok? On se bourre la gueule. Oh non! Battez-vous pour survivre! On se croirait au pays des merveilles, hein! Alice! T'es où, bébé? J'ai pas trop le choix. J'ai récupéré quoi? Tu passes un très bon moment! C'est bien ça? Je suis déjà mort? T'es carrément furieuse, pas vrai? Eh ben tu devrais aussi flipper! En vrai, je perds vite de la vie. J'ai ramassé quoi, là? Qui c'est qui me tire dessus? L'idéal, ça serait que j'ai une arme qui one-shot comme dans le jeu de base. Allez, il meurt! Il a pété. Il s'est pété tout seul. J'aime bien quand ils se suicident, les mecs, moi. Voilà. Je pense que c'est le... Oh, il y a un rat!
Non, qu'est-ce que tu fais là? J'ai plus de voix. Qu'est-ce qui se passe, ma voix? Pourquoi ma voix est partie? Oh, ils arrivent tous. Je veux pas mourir. Je pense que c'est le genre de niveau qu'il faut faire, ça, les trucs de survie, mais quand on... Mais je me prends des balles quand on a genre des armes super puissantes de débloquer. Bon bah, je vais passer un mauvais quart d'heure, je vais tenter de survivre au maximum, mais toi t'es mort. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Ok. Bon, la 106 c'est un petit peu mieux, c'est pas... Je suis pas au summum, au sommet de ma gloire, mais je sais qu'il y en a d'autres là. Très bien. Il en reste deux, il y a des projections de vomi. Je sais pas à quoi ça correspond dans mon esprit. Faut que j'arrive à ramasser les trucs là. J'ai vu un cœur au sol. Il y a un cœur quelque part par là. Oh, il y a des cœurs à ramasser encore. Est-ce que je peux le faire après ou... Oh, punaise. Ah, vous me direz si vous voulez la suite du jeu, hein, aussi. Oh, il est plus fort, lui. Oh, il est plus fort. Il est plus méchant. Arrête, mais je suis plus là. Munition crédit. Ah, oh, mais il est énervé, l'autre. Mais je suis en plein. Je viens de me réveiller, moi. Il y a combien de vagues, en vrai? Il faudrait que j'arrive à ramasser le cœur qui est là-bas. C'est qui me bute là? J'ai plus de seringue? Faut que j'attende, ouais, c'est revenu. Ouais, c'est pas fou. Je passe pas mon meilleur quart d'heure de ma vie, quoi. Voilà, il est où le cœur? Objectif terminé. Attends, faut que j'aille prendre le cœur. Fais pas ça. Ah, c'est bon. Ouh! Oh! Permet d'obtenir des munitions supplémentaires pour les armes. Voilà, c'est parfait. Attends. Quoi? Sélectionner l'emplacement. Ouais, on va le mettre là, c'est bien. Nickel. Et le rat, il fait quoi, le rat? Il explose en vomi. Ok. Je ramasse tous les petits trucs un peu de partout. Et après, on se casse de là. Je vais aller récupérer le coffre là-haut aussi. Je sais pas si c'est important. Je récupère des munitions, je récupère des crédits, je récupère plein de trucs. Ouais, pour le moment, c'est une sorte de roguelike, quoi. Où je vais dans des zones, je bute des ennemis. Et si je meurs, je dois recommencer. Oh, je vois plus rien. Ce qui est cool, c'est de savoir qu'on incarne ce personnage et d'entendre un peu ses dialogues. Mais ouais, c'est ça un peu le souci, je trouvais, d'Ubisoft. C'est à chaque fois, ils ont des méchants charismatiques. On les voit 2-3 fois, enfin, ouais, comme le début, quand on commence avec Vass, il est stylé. Enfin, quand dans le jeu, quand on le voit en tant que méchant. Ce pouvoir vous évitera de mourir en régénérant votre santé si elle tombe à zéro. Vas-y, je vais la mettre là. Oh, c'était génial. Une bonne décharge de dopamine. Et finalement, après, on le voyait presque plus, bah, comme dans Far Cry 6. En vrai, j'ai même pas fini Far Cry 6. Au bout d'un moment, j'ai fait à moitié une overdose. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, le grand méchant, là, je me rappelle même plus comment il s'appelle, le mec de Breaking Bad. Et ben, en fait, on le voit dans 2-3 cinématiques, c'est cool, mais il est pas si présent que ça, quoi. C'est ça qui est un peu triste. Bon, par contre, est-ce qu'on retournerait pas chez nous pour acheter d'autres armes? D'abord, je m'occupe d'eux. Parce que j'aimerais bien buter un peu plus vite. C'est méga. Ils s'en prennent à moi. Bah ouais, carrément. Parce que je le dis. Tu nous as quittés. Encore? Tu nous as combattus. Maintenant, partant de pluie. Petite annonce à tous ceux qui veulent me tuer, je veux leur dire que je veux les tuer aussi. Ah, je peux pas. Hey, alors allez vous faire foutre. Pourquoi je peux pas? Verrouiller l'emplacement. Ah, je peux pas le prendre, je crois que j'ai plus assez d'emplacement de... Bah, je vais te laisser là, le cœur. On va retourner. C'est mieux la 106 là. Juste quand je dis ça, je visais tout à côté. Il y a l'air d'avoir un truc là-bas. C'était quoi ce truc? Ces sombres émotions t'entourent. Oh là là. C'était bien, hein. Ouais, ils sont toujours un peu cerveau un peu brouillé, eux. Oui. J'adore les requins qui volent, c'est artistiquement rigolo. J'ai récupéré quoi? Youch, est-ce que j'ai la possibilité de voler? Enfin, d'avoir le win suite. On va retourner à notre maison, je crois que c'est là-bas.
Je vais voir si je peux acheter d'autres armes parce que là, avec mon pistolet, je me sens un peu vraiment tout nu, quoi. Finesse, moi je récupère tous ces trucs-là. Et vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse... Ah punaise, je vois que c'est pas super... Ah mais c'est pas fluide pour vous. Enfin, sur mon retour, je vois que c'est pas fluide. Oh ouais, je verrai au montage comment c'est, mais vous me direz, est-ce que vous voulez la suite ou non? Si vous voulez la suite, je vous la ferai avec plaisir. Si ça ne vous intéresse pas, bah, je vous la ferai pas avec plaisir. Ça dépendra de vous. Dans tous les cas, pour le moment, je demande vraiment en voir plus. Beaucoup plus même, je dirais. Elle est où ma maison? Où est ma maison? Elle est là-bas. On va juste aller à la maison voir... Vous voyez les enfants, le crime, ça paye. Maintenant, allons acheter un truc au miroir. Ouais, avant de mourir, vous dépensez vos crédits. Ouais, ils sont crus dans Dark Souls ou quoi? Je dépense mes âmes pour améliorer mon perso. Ouais, on est d'accord que c'était ici, hein. Ouais, c'était là. Du coup, je peux ranger mon arme, ouais. Ouais, nickel. Bon, qu'est-ce qu'on s'achète? Et je peux acheter d'autres attributs. Ça ressemble au décor de Zero Dawn un peu, non? New Dawn, Zero Dawn, je sais plus c'était lequel. Hein, je me rappelle plus le nom. Bon, comment ça marche? Est-ce que... Oui. Je réfléchis. Donc ça, étui pour pistolet automatique. Donc j'ai déverrouillé un autre étui. Et là, du coup, j'ai ce pistolet automatique acheté, vous voyez pas, regardez, il est à 150 et moi j'ai 264. Du coup, je vais l'acheter quand même. Même si ça semble être pas la meilleure arme du jeu, ça sera déjà toujours mieux. Il faut que je déverrouille d'autres étuis. Là, j'ai des recharges. Oh, je peux acheter. Ah non, je peux remplir. Mais elle se remplit toute seule. Pouvoir temporaire. Mmh. Ah, ça marche vraiment comme ça, quoi. Regarde dans le miroir. C'est moi. Je suis dans le miroir, maman. Donc je peux faire quoi ça? C'est quoi ça? Je veux ajoute un emplacement de gadget à la roue des armes. Ah, pas mal. Tout de même, je pourrais faire d'autres. Voilà, envie. Bien. Faites voir du coup. Ajoute un gadget. C'est où mes gadgets? Ah, c'est ça. J'ai une grenade maintenant. Mince, comment j'annule? Bien. Bon, bah nous, on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me dire si vous voulez la suite. Je vous ferai la suite dès demain. Voilà. Merci et à plus tard. Ciao.